Le fait que vous puissiez penser à ce à quoi vous pensez vous fait vous demander qui fait l'observation de ces pensées, non ? Le fait que vous puissiez être conscient de ce que vous pensez signifie que vous n'êtes pas l'exécuteur testamentaire du contrôleur qui pensait que vous étiez la conscience qui exécute cette pensée. La plupart des gens pensent donc, eh bien, juste parce que j'ai une pensée, c'est vrai que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que vous avez une pensée que c'est vrai. Les émotions et les sentiments sont un enregistrement du passé. Donc si vous ressentez les émotions familières chaque jour de malheur et d'indignité ou d'insécurité, vous commencez votre journée par le passé. Si ces émotions animent vos pensées et que vous ne pouvez pas penser plus loin que ce que vous ressentez, alors vous pensez dans le passé. Pour la plupart, votre journée va rester la même. Donc la première étape est sans aucun doute d'obtenir les bonnes informations. Plus vous avez de connaissances et comprenez comment vous marchez et comment votre cerveau et votre corps fonctionnent de manière simple, mieux vous avez le manuel d'utilisation pour prendre soin de vous. Nous avons donc parfois mis des gens dans nos ateliers et ils devaient rester assis pendant un certain temps. Ils s'asseyaient là et je ne les laissais pas se lever. Et vous savez quoi ? Ils allaient devoir dépasser leur peur. Ils allaient devoir aller au-delà de leur haine. Ils allaient dépasser leurs préjugés, aller au-delà de leur colère. Ils devaient aller au-delà. Quand vous pouvez dire « C'est cette personne qui m'a causé du tort. » Alors, ok, prenons cette personne. Mettons-la dans un carcan et envoyons-la sur la lune. Alors maintenant quoi ? Maintenant, qu'allez-vous faire ? À un certain niveau, vous devez encore apporter un certain type de changement substantiel. Nous enseignons donc aux gens que les connaissances sont le précurseur de l'expérience. La bonne information est sa compréhension. Comprendre comment vous travaillez et tout cela va vous préparer à une meilleure expérience dans votre vie. C'est le nom du jeu. Alors, une fois que la personne a ses connaissances et informations, fixons les conditions pour qu'elle les applique ainsi. La plupart des gens, lorsqu'ils atteignent cette crise, indiquent quand ils sont malades ou déséquilibrés ou quoi que ce soit. C'est le moment où ils décident de changer mon message. C'est pourquoi, attendez, prenez 45 minutes chaque jour. Écrivez simplement les choses que vous voulez dans votre vie et commencez à ressentir les émotions de la façon dont cela se produirait. Puis voyez si vous pouvez rester dans cet état toute la journée. Si vous le pouvez, alors vous devriez commencer à voir des synchronicités, des coïncidences, des opportunités et des portes s'ouvrir pour vous parce que vous n'êtes plus la même personne. C'est cool, parce que vous n'avez pas besoin d'être physicien, neuroscientifique, universitaire, saint, prêtre, rabbin ou quoi que ce soit. Il suffit d'être une personne ordinaire, tout comme vous apprenez n'importe quelle compétence. Une fois que vous apprenez à le faire, cela devient de plus en plus facile et c'est ce que je veux, que les gens se facilitent la tâche. Lorsque vous vivez la vie, une grande partie de votre attention est portée sur votre environnement extérieur. Et quel est votre extérieur ? L'environnement est constitué de corps, de personnes, de choses, d'objets, de lieux et de temps. Une grande partie de notre attention est portée sur notre corps. Comment nous sentons-nous ? Avons-nous faim ? Nous sommes fatigués. Nous sommes en colère. Nous sommes frustrés. Nous souffrons. Une grande partie de notre attention est focalisée sur le temps. Vous savez, comme combien de personnes avons-nous ? Où devons-nous aller ? Que devons-nous faire ? C'est le fait de garder votre attention sur votre corps, votre environnement et votre temps qui, tout d'un coup, vous sépare de votre monde intérieur de pensées et de sentiments. C'est pourquoi nous aimons cette idée d'enseigner aux gens comment s'asseoir et se déconnecter de leur environnement extérieur. Si vous écoutez de la musique douce et que vous avez les yeux fermés, vous êtes moins susceptible d'être influencé par votre monde extérieur. Si vous êtes assis, que vous ne vous levez pas, que vous ne sentez pas, ne ressentez pas, ne goûtez pas et ne mangez pas, alors vous avez moins d'informations à traiter également. Si vous ne pensez pas où vous devez être demain, ce que vous devez faire plus tard ou ce qui s'est passé hier, mais que vous êtes dans le moment présent. La méditation est le moyen idéal pour rendre votre monde intérieur plus réel que votre monde extérieur. Vous pouvez maintenant exécuter vos pensées. Maintenant, vous pouvez focaliser votre attention d'une autre manière. Vous pouvez prendre conscience pendant que vous êtes assis là, que vous êtes assis là et que vous vous mettez en colère sans raison. Eh bien, qu'est-ce qui se passe avec ça ?
Vous êtes juste assis là et vous êtes en colère. Cela devrait vous dire que votre corps, à un certain niveau, a envie de cette émotion. Donc, quand les gens commencent à comprendre qu'ils peuvent être accros à la colère, je leur permets de s'asseoir là et de travailler avec cette colère en ramenant leur corps au moment présent. Ils entraînent leur corps comme vous vous entraînez dans votre salle de gym. Vous entraînez votre corps à ne plus être l'esprit, et en le faisant encore et encore, vous entraînez l'animal, et tôt ou tard, il va capituler. Je ne suis pas l'esprit. Tu es l'esprit. Je vais lâcher prise, et je veux enfin me rendre. La personne obtient une mise à niveau biologique, et cette mise à niveau biologique se produit en quelques secondes. J'adore ça parce que vous ne pouvez pas me dire que vous êtes trop vieux pour faire ça. Vous ne pouvez pas me dire que vous êtes trop déformé pour le faire. Vous ne pouvez pas me dire que vous êtes trop malade pour le faire. Vous ne pouvez pas me dire que votre passé était trop brutal pour le faire. Parce que j'ai vu la transformation sur toutes les formes et toutes les tailles. Donc, 95% de qui nous sommes au moment où nous avons 35 ans est un ensemble de comportements mémorisés. Habitudes automatiques et inconscientes, réactions émotionnelles, croyances, perceptions et attitudes qui fonctionnent inconsciemment comme un programme informatique. Ensuite, pour que nous puissions changer, nous avons dû plonger dans ce système d'exploitation et en prendre conscience. Le mot méditation signifie littéralement se familiariser avec. Vous devez donc vous familiariser avec ces pensées, ces émotions et ces comportements afin de devenir si familier et conscient d'eux que vous ne redeviendrez plus jamais inconscient. Ensuite, vous devez décider quelles pensées vous voulez tirer et câbler sur votre cerveau. Vous devez répéter mentalement qui vous voulez être. Répétez et pensez à qui vous allez être. Vous planifiez vos comportements. Commencez à installer le matériel neurologique dans votre cerveau pour y ressembler. L'expérience s'est déjà produite. Maintenant, votre cerveau n'est plus un enregistrement du passé. C'est une carte de l'avenir. Désormais, si vous continuez à le faire en tirant et en câblant, le matériel devient un logiciel. La prochaine chose à savoir est que vous pensez comme une personne heureuse. Vous agissez comme une personne illimitée parce que vous mettez les circuits en place. Puis la dernière étape est d'enseigner émotionnellement à votre corps à quoi cet avenir va ressembler avant même qu'il ne se produise. Si vous continuez à cultiver ces états d'esprit et de corps neurologiquement et chimiquement, ça va commencer à vous sembler familier et vous allez passer d'une personnalité à l'autre. Alors la maladie ou le problème va exister dans l'ancienne personnalité, tandis que vous serez littéralement quelqu'un d'autre. La personne n'a pas à visualiser son cancer qui s'en va. Elle va juste vous dire que le cancer était chez l'autre personne. Moi, je suis juste quelqu'un d'autre qui ne peut pas vivre ici. Et la maladie disparaît naturellement. C'est donc l'effet secondaire d'un changement. Je veux dire, je suis assis avec mon corps depuis des heures et j'ai vu mon esprit courir partout. Il y a certaines pensées auxquelles vous voulez vraiment croire parce qu'elles sont, vous savez, qu'elles font partie de vous. Mais quand vous commencez vraiment à surmonter vos propres limites personnelles et que vous ne vous plaignez plus des gens et des conditions de votre vie parce que vous êtes assis là dans votre méditation, et que votre corps jette l'éponge et vous dit simplement « C'est tout ce que tu as ? C'est tout ? Nous allons le faire, je vais continuer. » Tôt ou tard, lorsque vous vous libérez des chaînes de ces habitudes et de ces émotions, et que votre corps commence à libérer de l'énergie, nous avons mesuré cela. Vous commencez à vous sentir joyeux et libre. Vous laissez votre cœur s'ouvrir et vous êtes amoureux de la vie. Vous êtes ému et c'est un sentiment qui ne vient de nulle part en dehors de vous. Ça vient de l'intérieur de vous. Je vous garantis que vous pourrez vous tenir en présence de votre plus grand adversaire, votre plus grand traître, la personne qui vous a jeté sous le bus, et que vous regarderez cette personne dans les yeux et n'aurez que de l'amour pour elle. Parce que vous verrez une partie de vous-même que vous étiez et que vous n'êtes plus. Au moment où cela se produit, vous n'appartenez plus à votre passé. Vous appartenez à votre avenir. Et maintenant, vous le voyez comme une leçon au lieu de vous en vouloir. Vous les libérez et vous vous libérez vous-même. Vous êtes sur votre chemin et cela s'appelle l'évolution. Nous ne nous plaignons de notre vie que lorsque cela ne fonctionne pas. Personne ne se plaint de sa vie quand il est joyeux. Vous vous plaignez seulement de votre vie lorsque vous êtes en colère, amer ou frustré. Ainsi,
une personne commence à travailler sur la régulation de différents états. Ensuite, elles diront « Dieu, je me sens tellement bien que je ne vais pas prendre ce sentiment à cause de cette personne. Je vais juste les voir. Waouh, ils sont juste… J'étais comme ça. Je les comprends totalement. Maintenant, vous êtes libre. Et je pense que c'est le début de l'amour inconditionnel. »